Bonjour à toutes et à tous, c'est Captain Poupie, on se retrouve pour un nouvel épisode de Crusader Kings 3 avec ce bon vieux roi Odd of Skullison du Danelaw qui vient de réussir sa guerre pour conquérir Paderborn, qui est un lieu saint de la foi Astaroth. Ah bon. Gardez pour nous parce qu'on va construire un bâtiment de type grand temple qui va nous apporter énormément de bonus. Entre deux vidéos, j'ai accordé le reste du duché à une personne de chez nous. Et maintenant, ça va être temps de déclarer la guerre au royaume de Suède pour notre troisième lieu saint, dernier, la chefferie de Brendalrog. 250. Empiété. Donc, parti. On va lever nos armées à notre capitale. Voilà. Devrait être fait. On va les envoyer directement ici. Là. On va essayer de faire une guerre assez rapide. Un petit peu de stress. Bien. Parti. Et je vous connais. C'est moi. Objectif. Et ce duché pour récupérer. Que je le sais. Deux petites îles, l'Islande, l'Irlande, et nous avons atteint le chef de la campagne. Et que je peux dois imposer un chalier, je ne fais pas. Et un nouvel héritier. Au niveau des votes, une campagne. Donc, si on va aller débarquer directement sur sa capitale. On va aller en bateau. On va aller en intrigue. Et bien, pour les amis, on va aller faire un double complot. Toujours sympathique à le voir. Pour venir capturer. Ici, j'ai terminé, on va. Il a levé une armée. Fabriquer un hameçon. Eh bien, maintenant, invité à la cour. Pire, cette pingle, on peut t'emprisonner. Oui. C'est un acte de tyrannie, mais c'est pas grave.
Une mine en or, on peut bien devenir un type. C'était bon. Banni. Merci. Très bien. Et voilà, nous sommes très riches maintenant. On fera une petite vidéo tout à l'heure là-dessus. La deuxième armée arrive. C'est une nouvelle. Après c'est les gars, on va peut-être pouvoir créer l'Empire du Danlo. Pour qu'on soit pas en guerre. Et actuellement on est en guerre pour aider notre allié qu'on n'aide pas vraiment. Très bien tout ça. Avoir tous ces messages qui pop là. Un peu embêtant de pas toc état du négociateur. Peut-être maman amicale avec moi, c'est la défense. Et je me rends le temps de dire qu'un changement de caractère, je pourrais peut-être le convaincre de libérer mon connaissance. Peut-être. Une ville vers l'eau, je sais pas si on parle, mais. Devenir la maison. Ici, est-ce que ton nouveau patriarche. Je sais pas du tout. Ils en guerre. Ça fait compréhensible parce qu'on a quelqu'un avec très bon. Et robuste. Marie. Et c'est accepté. Très bien. Quelque temps. On va récupérer ce stage. 57 jours. En train de récupérer du chili. On capture le roi. Alors, l'armée, peut-être on pourra capturer son héritier ou sa femme, porte. Bien que j'apprécie l'empressement de Earl Colin à faire ce que je lui demande, son parent, le duc Malnextan, reste hors de mon emprise. Pas très important, l'événement tient des âmes sombres, c'est une sorte. Pas mal d'empire. Elle est la bonne nouvelle ici. Capture l'héritier. Capturé. Et. Et blanc. Merci. Deux fois de l'attrition. Ah. Victoire, très bien. C'est parti, il te mène du. J'ai terminé. On continue. 53%. Une belle bataille et c'est une belle vie.
Ah, c'est très bien. C'est quelque chose. De la légende vivante. Et on est 1709. Oui. Et direct. Ça m'intéresse. Encore une croisade. T'as pas servi de leçon. Ok. Pas du tout ça. Je vais lui une amitié. La musique est un peu forte, là, mais on est sur la guerre. On va rester ici. Là, non, c'est arrivé avant. Une bataille délicate. Fasse demi-tour et avoir le temps de nous fermer. Peut-être devoir finir pimpée blanche. Moi assurer même le succès. Ouais, on peut pas gagner la guerre en ça. Peut-être devoir revenir un peu plus. Une pelle blanche, tant pis. J'essaierai de ne pas perdre la croisade. Et de ne pas perdre. Eh bien, on peut fonder notre empire maintenant. Oh non, un empereur. L'effet, c'est que personne d'autre ne m'aurait
militaire de Danemark, le pays de Galles et de Pays. Pas qu'il soit sur la sélection quand même. Mes vassaux et Goar se sont rassemblés devant le trône qui méritait ce moment à leurs yeux, et plus important encore, aux yeux des dieux. Mais jusque je place moi-même la couronne sur ma tête, tandis que mes serviteurs temporelles et spirituelles s'inclinent devant moi. Très bien, ça c'est fait. C'est allié à l'empereur d'Italie sur la spécialité. Vérifier les prisonniers avant d'en avoir 1000 de la période qui est cut. Reine de Suède en effet. Ici, on peut aussi augmenter notre armée. On est parfait. Il n'y a plus qu'à attendre 5 mois. Le peuple déclare la guerre. C'est parti. Le roi de Jérusalem. La route jusqu'ici, dis donc. J'ai risqué plus de... Il a subi pas mal de stress. Roi croisé, par contre, ça c'est cool. Dommage qu'on ait raté cette guerre-là la prochaine fois. À mourir à vous. Il n'y a pas vers étude anatomique pour. En deux atouts. Je crois qu'on a fini le double complot. On aura la comploteur. Les comploteurs. Ouais. Ça va être ça. Des années quand même, mais c'est 23. Trêve avec la Suède. Et pour qui encore 33 ans. Correct. Aspiromètre là. Ok, la croisade. Très bien. 31 000 hommes contre 20 000. Kaiser Baudin de France. T'es un nain et tu t'es marié avec une naine. C'est Baudin de France, là. Hein. Kaiser bleu. Et là c'est parti, vous venez débarquer chez moi, je vous attends. C'est pour le panneau.
ici. Enfin, travaille pas. Exactement. J'ai plus rien de faire. Décisive ici. C'est un score de guerre, j'imagine. Intercepter cette armée qui s'est débarquée dessus. Pour avoir le récemment de l'embarquer. C'est mauvais, me dit. Il y aura à avoir. Tac. Une intrigue. Mais c'est pas forcément le cas parce qu'il pense qu'il a plus de soldats que lui. Ça arrive. C'est déjà arrivé que le pape déclare une croisade alors. Les seuls, c'était même des vassals, et il déclarait une croisade contre lui. C'est hallucinant. Rien n'arrête le pape apparemment. Ce sat, c'est quand même c'est de lancer une croisade contre son seigneur Lige. Et tout. Une nouvelle bataille ici. On voit quand même. Des alliés. Sur les...
Ok, parfait. C'est Singlum. Est-ce qu'on pourrait pas construire quelque chose ici? Toujours pas, parce qu'il faut rentrer. On va partir après. Ici, deux dispersés. Et vous, c'est les hommes dans le Hampshire. Pour cent, d'accord. Pensez peuvent se marier. Armée anéantie, on poursuit. Devant. Et une autre bataille ici, par là. Ok. Maintenant ils sont en train d'assiéger. Allez récupérer ça vite fait. Bataille 20% de score de guerre. 5 ici. C'était le roi de Jérusalem. On a voté les fesses. Ce roi Od, encore, il a encore réformé la religion. Il unifie les îles britanniques. Complot à la cour, maîtresse Plum a annoncé une grave nouvelle, bien que nous ne sachions pas encore qui. Quelqu'un planifie un assassinat contre mon invité. Il tue. Même pas quitté alors. Ça m'intéresse pas beaucoup. Quand ils arrivent au compte-goutte comme ça, ils font la même quand on est attaquant dans la croisade. Et c'est un peu décevant des fois de perdre la croisade, tout ça, parce qu'on n'est pas ennemi sous la bannière d'un seul commandant. Chacun fait un peu n'importe quoi dans son coin. Exactement ce qui est en train de se passer ici. Ça m'arrange.
La méfiance. Une point de compétence, une expérience plutôt. Et on va récupérer du ravitaillement. Dans les mariages, on va vite arriver. On va une question sur un compté. Une intrigue. Ça a des bonnes prouesses. Hein. Ok. Un prouesse. 14. Donc, 9. Et. Vas-y, 9. On recrute. 22. On recrute. Et presque. Qu'ils arrêtent de faire ça aussi, là tout le monde se met au même endroit que moi et à côté on ne supérait pas d'attrition. Hein. Règle ça absolument. L'IA n'a pas été bien travaillé encore. On est content qu'ils se mettent à côté pendant les batailles, mais on attend bien de l'attrition. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Voilà, c'est bon. Nombreux à débarquer, on va payer des renforts. On est l'homme de renfort. Allez. Une bataille qui nous donne pas mal de score de guerre autant. 4. Un petit peu plus, mais c'est pas encore ce que j'espérais. Attention, il y a beaucoup d'armées qui se baladent chez nous. C'était ici. On va disperser. Il y a autant. C'était pas vous qui renforce là-bas. On va aller attaquer ces 7000 hommes, ces 30 hommes qui piègent. C'est parti. Sûr que mes alliés vont. Je prends la sécurité quand même. Sur celui-ci, il y a la bataille en plus, il y a 15% de score de guerre. Constante, cet homme cloîtré fin à docilité uniquement pour me poignarder dans le dos à la première occasion. Rival.
Est-ce qu'on pourrait pas commencer? Archevêque, le patriarche. Non, c'est pas beaucoup. Et les Byzantins qui sont disponibles. On va essayer. Hein, ça... Voir un peu par ici. On a pris double manigance. Attendre d'avoir double terre aussi. Maintenant on a la double manigance. Prendre nos ravis, ils sont catholiques aussi. Ça change pas grand chose, c'est juste que c'est plus simple de opérer un archevêque ou un patriarche avec leur coiffe que. Et les autres 23 mois, ça va être normal. On prend 6 euros. J'ai beaucoup d'approvisionnement comme une fois. Après cette bataille en base. Dans cet épisode, même si on gagne victoire sur victoire avec ce faible pourcentage, on arrive à temps là. Donc oui. Débarquer. Très bien. Il aurait pas un peu plus de domaine d'être un frère aussi. On a refait quand même pas mal mal, oui, 1 000 hommes depuis le début. Ok, un blanc 2 est récupéré. Des provisions. Allez, c'est parti. Peut-être que je m'occuperai des prisonniers entre deux vidéos. Ça va faire beaucoup, beaucoup d'exécutions. On regardera juste les exécutions. 3%. 3%.
à capturer toutes leurs d'armée. Ainsi, 81 complots découverts. C'est pas grave, mais... Et là, et ici, on va aller. On est pas loin de gagner cette guerre. Et la victoire de la croisade, ce sera dans le prochain épisode. D'ici. Donc, à pas oublier, dans le prochain épisode, on gagne la croisade, on récupère Irlande, et on récupère un troisième lieu saint pour pouvoir réformer notre foi. Ça, c'est l'objectif du roi Rod. On doit faire tout ça avant de mourir, je pense. Donc voilà, allez, à la prochaine.